Vous lisiez beaucoup aussi ? Oui, mais ce que je préférais, c'était écrire. J'écrivais très souvent. Est-ce que je peux vous offrir un café ? Oui, bien sûr. Merci. Et si vous commenciez par me lire une partie de ce fameux carnet ? Ce n'est pas vraiment un carnet, c'est plutôt un recueil, en fait. Et à vrai dire, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu le courage ni la force de l'ouvrir. Mais il faut bien que vous sachiez. C'était un soir du mois de novembre, d'apparence tout à fait ordinaire. Comme chaque dimanche, depuis le départ de ma mère, ma tante et moi étions allés à la messe. Depuis quelques semaines, les réactions de ma tante devenaient de plus en plus étranges, en particulier depuis qu'était apparue cette marque sur mon bras. Elle s'acharnait à me faire lire les mêmes versets de la Bible. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Et Yann, n'oubliez pas que nous allons bientôt voir le prêtre avant la messe pour votre bras. Oui, tante Louise, j'arrive tout de suite. Mon père, j'aimerais vous faire part d'une inquiétude que j'ai depuis quelques jours. Oui, bien sûr, ma fille. Voilà. J'ai remarqué quelque chose sur l'avant-bras de ma nièce. Et cela ne m'inspire pas du tout confiance. Ça grossit de plus en plus et j'aimerais vraiment vous en parler si ça ne vous dérange pas. Montrez-moi ça. Eliane, s'il vous plaît, montrez votre bras au père Charles. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ? Ce n'est qu'une simple allergie. Eliane, s'il vous plaît, allez faire un tour au parc. Mais que se passe-t-il ? Puis-je prendre ce livre, mon père ? Non, reposez ça et sortez d'ici. Ma fille, j'aimerais que vous compreniez. Comprendre quoi ? En 1820, la légende racontait qu'un groupe de 3 jeunes femmes utilisait la magie noire sur 3 colliers différents, destinés à rendre leur fille heureuse pour le restant de leur jour. Mais ces colliers avaient une double facette, qu'elles n'avaient peut-être pas imaginée. Car si la coque de verre de l'un d'eux venait à se briser, alors il se produirait l'effet inverse. Et leur joie deviendrait tristesse. Et leur tristesse les amènerait vers la mort. Quelques semaines plus tard, un homme retrouva ses colliers et décida de les vendre sans même connaître leur véritable histoire. Le cas le plus atroce eut lieu en 1830. Bon appétit, les filles. Merci, papa. À toi aussi. Amandine, qu'est-ce que t'as fait du collier de ta mère ?
Tu ne penses pas qu'elle aurait été heureuse si tu lui apportais aujourd'hui? Oui. Je sais très bien, mais en fait, je l'ai prêté à Laura hier et elle a complètement oublié de me le rendre. Mais t'inquiète pas, je le récupérerai demain à la première heure. J'espère. Et toi, Chloé, alors? T'es contente d'avoir tué ton premier lapin? Oui, mais j'aurais aimé garder mon petit Bab. Je t'ai déjà dit, Chloé, de ne pas t'y attacher. C'est pas le dernier. Il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Tout va bien, Amandine? Pourquoi tu dis ça? Oui, pourquoi tu dis ça? De quoi? J'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez. Finissez votre soupe, ça va refroidir. Il sera bientôt temps d'aller vous coucher. Qu'est-ce que tu fais ici pendant la nuit? Mon père. Vous le savez très bien. Je donne à manger aux bêtes. Mais ça, j'ai compris. C'est pas le moment de faire ça. Alors tu me donnes cette fourche et tu retournes te coucher. Si je leur donne pas à manger, ils vont mourir, tu comprends? Et après, on pourra plus les vendre. C'est ça que tu veux? C'est vraiment ça que tu veux? J'ai compris, mais on verra ça demain. Ne me touche pas! Arrête, Amandine. Arrête! Arrête, je te dis! Je suis désolée! Ce n'est pas encore fini. Nous étions le 9 juin 1943. La plupart des soldats préparaient leur transfert vers le camp de Rocheville. Ce qui était également le cas de Dylan, un jeune soldat de l'unité. Il devait annoncer son départ à Lisa, une jeune femme charmante et respectueuse qu'il avait rencontrée quelques mois plus tôt. À l'occasion de leurs 9 mois passés ensemble, Dylan lui avait offert un collier. Un jour, Lisa en brisa accidentellement la coque de verre. Depuis, ses réactions devenaient de plus en plus étranges. La plupart des choses qu'elle disait étaient incohérentes et sans aucun sens. Tu pourrais me passer ton casque? Comme ça, j'aurais l'air d'un vrai soldat. Oui, bien sûr. Waouh. Il te va à merveille. Vraiment. Arrête de te moquer de moi, tu dis n'importe quoi. Repose ça, Lisa. Il est chargé. Tu m'aimes? Mais oui, bien sûr. Lâche ça, Lisa. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lisa? T'es devenue complètement folle. Regarde-moi. Non, fais si pas jamais ça, vous non m'aimez, eh ben, si jamais vous m'aimez, suivez-moi. Arrêtez, mon père, je vous en prie. Sa mère venait de lui offrir un de ses colliers juste avant de mourir. Que dois-je faire désormais? Il n'y a pas grand-chose à faire. Elle a rompu le troisième pacte. Tout ce qui lui reste, c'est de prier encore et toujours.
Mais que se passe-t-il? Je n'ai rien fait. Prends en compte tes péchés, ma fille. Et maintenant, va prier. Et va prier toute la nuit s'il le faut. Louise, c'est vous qui avez rangé les livres comme ça. Peut-être par peur, ou seulement par incompréhension. Je n'avais qu'une seule envie, c'était d'oublier tout ça et de retourner me coucher. Bien, Odile. De quoi? Pourquoi tu dis ça?
Elle avait pris l'habitude de noter depuis plusieurs années tous ses rêves dans ce petit livre de chevet, sans jamais m'en dire un mot. Plus tard, en les feuillant, j'ai remarqué cet étrange passage du 28 novembre 43. Le seul écrit en rouge, d'ailleurs. En commençant sa lecture, je me suis remémoré cette journée. Attendez une seconde. Vous voulez dire que ça s'est vraiment passé ? Oui, en effet. Donc les événements décrits dans ce rêve du 28 novembre 43 se sont vraiment produits par la suite. C'était donc comme une sorte de rêve prémonitoire ? En quelque sorte. Mais malheureusement pour elle, tout ce qui allait se passer ensuite est allé au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que ce qu'elle avait vu dans son rêve n'était que le début d'une suite d'événements atroces qui l'ont finalement menée à la mort. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui est arrivé à votre nièce. Personne ne mérite ça. Êtes-vous toujours d'accord pour que je publie un article à propos de cette histoire ? Il y a bien longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire. Tellement peu de gens y croyaient. Mais si ça vous fait plaisir, bien sûr. Peu importe ce que les gens pensent. Pour moi, c'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée. Bon. Je vous ai assez dérangé. Non, je vous en prie. Merci pour votre temps. Au revoir. Oh, une dernière question, excusez-moi. Pensez-vous qu'il soit possible qu'un quatrième collier existe ? Je ne sais pas. Peut-être. Merci. Bon, Emma, tu dépêches, s'il te plaît, là. On va pas y coucher. Oui, deux secondes, papa, s'il te plaît. C'est bon, tu fais ton choix, Emma. Oui. Finalement, je vais prendre celui-ci.